Une voiture de l'Académie royale vous attendra devant l'hôtel dans une heure. Et si on leur rendait leur prix Nobel? Avec tous ces journalistes qu'on a sur le dos, on ne peut plus travailler. Notre radium. Il rayonne de l'intérieur. Comme toi. Mon cher Pierre-Aimé, encore une journée que je vécue au moins avec toi. Serais-je moins digne de toi? Personne ne peut travailler pour deux à la longue, toi non plus. Je veux bâtir un institut du radium quand Pierre en voulait. Je veux faire de la curithérapie la meilleure méthode au monde contre le cancer. Sûrement mettre la chair de Pierre au concours. Une femme n'a aucune chance. Qui vous parle du titre? Je vous demande le travail. Quand l'homme a découvert le feu, il s'est brûlé. Mais que fera-t-on aujourd'hui sans feu? Albert Einstein, Marie Curie, vous êtes la meilleure parmi les femmes. Et aussi parmi les hommes. Jamais je n'aurais pensé être encore capable de ça. Capable de quoi? De proximité. Ton insouciance me fait peur. Vous ne pensez pas que ça intéresserait les Français de savoir que l'État s'apprête à honorer des plus hautes distinctions une femme adultère juive? Maman, ne reste pas là! Paul, c'est ma vie. Si tu me le prends, je te tue. Je n'ai pas peur de ta femme. Madame Curie, s'il vous plaît, vous allez continuer à pousser Paul Langevin à quitter sa femme. Je ne peux plus me cacher. Dans la vie, rien n'est à craindre. Je suis heureuse de pouvoir consacrer ma vie à mieux comprendre le monde.